Bouge Ouest. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau magazine Automag où j'ai la chance de recevoir Aurélien. Bonjour Aurélien. Bonjour Bertrand. Alors aujourd'hui on te reçoit dans une ambiance très automobile, entourée de belles Peugeot. Mais revenons plutôt à cette fin de saison, le dernier Grand Prix vient d'avoir lieu. Alors comment ça s'est passé à Nogaro dans Gers ? Plutôt pas trop mal, avec une troisième place en course 3, une cinquième place en course 1, une quatrième place en course 2. Je rappelle pour les internautes que tu as fait trois courses, et donc tu as fait cinquième, quatrième et troisième. C'est plutôt pas mal, dis donc. On a fait des bonnes qualifs, avec deux sixièmes places et une septième place. Et on a pu partir avec les premiers, j'ai pris des assez bons départs. Et puis j'ai pu faire le trou avec ceux de derrière et garder ma place jusqu'à la ligne d'arrivée. Bon bah écoutez, je vous propose qu'on regarde en image ce week-end intense dans le Gers. Donc on voit qu'il y a vraiment bataille vraiment pendant cette compétition. Alors qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi dans une course qui dure en moyenne 30 minutes ? Garder le moral, avoir le physique pour aller jusqu'au bout de la course. 30 minutes c'est beaucoup, surtout quand il fait chaud. La dégradation de la voiture, les pneus. Ouais, tu parlais des pneumatiques, hein, parce que ça c'est vraiment un facteur très important. Oui, ne pas faire chauffer les pneus pour que la voiture ressorte des virages. Faire des temps réguliers pour être avec ceux de devant. Alors pour toi Aurélien, après cette saison 2016, c'est quoi ta marge de progression ? Où tu penses pouvoir progresser concrètement ? Beaucoup sur le pilotage, les freinages, freiner plus tard. Et après au niveau voiture on est bien, c'est plus niveau pilotage. Parce que là on le voit une fois que les premiers prennent un peu d'avance, hein, ça paraît pas beaucoup, puis finalement t'as beaucoup beaucoup de mal à revenir dessus, quoi, parce qu'eux aussi bien sûr laissent pas leur place, quoi. Non, et les temps c'est pratiquement les mêmes, c'est très serré, et pour revenir il faut batailler avec la voiture, donc faire chauffer les pneus et on en revient toujours pareil. Bon Aurélien, on va parler cash maintenant, c'est le moment le plus important de l'émission. Qu'est-ce que tu fais l'année prochaine ? Pour l'instant, on réfléchit à la catégorie dans laquelle on participera. Mais rassure-nous, tu cours encore l'année prochaine ? Oui. D'accord. Donc, tu réfléchis à la catégorie. Ça veut dire quoi ? Bah, soit la 208 ou la 308, où c'est un autre budget et c'est pour ça qu'on va réfléchir. D'accord. Donc, la réflexion, c'est essentiellement une réflexion budgétaire. Donc, il faut que tu décroches un plus gros budget, c'est ça ?
Oui, un gros budget pour. Bon, alors écoute, tu sais quoi, on va passer tout de suite un message pour les futurs sponsors de ton équipe, hein, de ta team. C'est l'occasion ou jamais, sponsoriser, soutenez Aurélien comme TV Ruiz. Vous ne serez pas déçus parce que c'est vraiment un jeune homme plein d'avenir. Donc voilà, t'inquiète pas, ils vont venir te soutenir. Mais quoi qu'il en soit, tu cours l'année prochaine. Oui, je courrai l'année prochaine. Et ben, si tu cours, nous aussi, TV Ruiz, on courra avec toi. Et je te l'annonce officiellement, on te soutiendra l'année prochaine comme cette année. Et pas seulement nous, mais tous les internautes qui t'ont soutenu depuis le début de saison. Est-ce que tu as un petit mot à leur dire? Je les remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je remercie mes parents, parce que sinon, sans eux, je ne serais pas ici. Et JSB Compétition, dans le team auquel je roule, et qui me fait participer ce week-end à la première course en RCZ. Ah ouais, donc ils ont toute confiance en toi, s'ils te font déjà concourir dans la catégorie au-dessus alors. Oui, c'est une autre catégorie avec des pneus slick et une vraie voiture de course. Bon, bah écoute, super. Bon, en tout cas, moi, Aurélien, je tenais vraiment à te féliciter pour cette super saison. Tu as fini quand même champion des Lionceaux. Montre-nous cette superbe coupe. Voilà, bah écoute, bravo, vraiment bravo à toi. On est extrêmement fiers à TV Ruiz de t'avoir soutenu durant toute cette saison. On sera encore là l'année prochaine. Bravo Aurélien, le mot de la fin c'est à toi. Merci Bertrand et continuez à me suivre. Vous ne serez pas déçus de me suivre l'année prochaine. Bon bah écoute, tu sais quoi, il ne reste plus qu'une chose à faire, fêter ça dignement. Hein, donc je pense qu'on va pouvoir faire péter le champagne. Allez Aurélien, bravo à toi. On se donne rendez-vous. À l'année prochaine. À l'année prochaine.